Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom sur l'épisode de Fallout 4. Et dans ce deuxième épisode de cette session, nous allons continuer un petit peu nos quêtes et notre aventure principale peut-être. Donc on a le train des injures, trouver Deacon, le train de tes injures, l'ombre de la confrérie, retrouvaille, partagez vos découvertes avec Piper. Ça j'ai pas trop envie de le faire à vrai dire tout de suite. Ah oui, la part du diable, le dernier voyage de l'USS Constitution. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Installer le roulement de turbo. Ouais, d'accord. Renvoyer les tilotrons à l'hôtel Rexford. Ouais, non. Tiens, ça, si, ça, on l'a pas fait. Ah, c'est ça. Libérer Mel de prison. Tiens, bah, c'est ça qu'on va faire. Fallait que je parle à Preston aussi. Preston. Vous pouvez faire le gain une minute. Ou je lance un qu'il est là-bas. Merci. C'est lui. J'ai raté quelque chose. Ah, je t'ai pris Ce pour sont Preston. Les miliciens qui vous envoient. Hop, Preston! Hey! Salut! Vous pensez qu'on est prêt à reprendre le château? Ah non! Ah si, nouvelle colonie sécurisée, attendez. Hop. Encore un succès pour les miliciens. C'est fantastique! En tout cas, vous tombez bien. J'ai déjà une nouvelle mission pour vous. On m'a signalé qu'une colonie est menacée par des pillards. Je vais l'indiquer sur votre carte. Allez voir ce que les. D'accord. On a franchi pas intérêt à traîner ici. Sauf si vous avez envie de virer au vert. Forcément. Alors. Où est-ce qu'il faut aller pour... Ah oui, à Diamond City. Exact. Bon, la série d'armure T-51 assistée était le summum en termes de protection mécanisée avant la Grande Guerre. Elle a connu son baptême du feu à la bataille d'Encorage et est très recherchée pour ses capacités de protection. Alors, après délibération, je pense, chers amis, que je resterai sur la X-01, là, ou la X-1, je sais plus, qui me semble extrêmement stylée. J'ai hâte de voir ce qu'elle vaut. Il faut que je la trouve en complet. Apparemment, je vais en chier parce qu'on n'en a pas vu d'autres en X-01. Mel. Alors, Mel, il est dans les cages. D'accord, oui, les cages, effectivement. Je me rappelle où c'est. Security. Alors. Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin moyen d'entrer. Ok, bah tant pis. On y va. Je peux peut-être persuader le garde de qu'il n'a rien fait. Nous verrons bien. Alors. Allons-y. Ok. Oula, mais c'est qu'ils sont nombreux en plus. Nombreux et armés. Oh. Bonjour. Oui. Pardon. Vous avez quelque chose à dire? Faire sortir Je Mel. Je voulais voir si vous pouviez faire sortir Mel. Vous savez pas que Mel avait des amis? D'accord, il a presque fini de purger sa peine de toute façon. Attendez, ben voilà. Je vais ouvrir la porte. C'est bon, vous pouvez sortir. Bon. Allez, ils ont accepté de faire ce qu'ils avaient à faire. Le Caracaille du Commonwealth va apprendre à nous connaître. Mel. Mel. Je suis curieux d'en savoir plus, mais on aura tout le temps d'en parler quand on sera loin d'ici, ok? Attends, montre-moi à quoi tu ressembles. Oh la sale gueule. Oh putain. Il a vraiment une sale tête, hein. Oh nom de Dieu. Bon. Je t'écoute. Merci de m'avoir sorti de là. Alors, c'est vous le nouveau jouet de Bobby? Je ne suis pas un je jouet. Je suis le jouet de personne. C'est ça. Bobby sait s'y prendre pour repérer les gens crédules. Mais sérieux, oui. Cette femme n'a pas une once de patience. J'étais pas condamné à perpète non plus. Elle aurait pas pu attendre un jour de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? La chambre forte de ça Diamond City. Ça vous dirait de nous aider à cambrioler la chambre forte de Diamond City? Putain, c'est pas une mince affaire, ça. Avec toutes les capsules qu'il doit y avoir là-dedans, je pourrais être tranquille un moment. Bobby est pas toujours très franche, mais elle paie toujours une fois le boulot terminé. Bon, je vais récupérer mes affaires et j'irai la voir chez elle. Comme tu veux. Retrouver la bande sur le site d'excavation. Attends, sur le site d'excavation. Ah putain, faut que je retourne à Diamond City. T'es sérieux?
À Good Neighbor. S'il y a un endroit du Commonwealth dont les habitants ne craignent pas l'Institut, c'est Good Neighbor. Ils aiment la liberté que leur accorde leur communauté et seraient prêts à tout pour la défendre. Ça, c'est une très bonne chose. Il va falloir qu'on aille faire un tour dans ces trucs-là, nous. Aussi. Alors, allons-y. Yo. On dirait qu'il y a un nouveau phénomène de foire en ville. Bienvenue à la maison. Saloperie. Hop. Alors apparemment on est un jouet, donc à mon avis c'est pas la première personne qu'elle traite comme ça. On a déjà vu les deux mineurs qui étaient là avant nous, qui ont juste été des trous du cul. Mais nous on n'en est pas des trous du cul, donc on va pas se laisser avoir. On ne va pas se laisser avoir, chers amis. Vous verrez. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien. Des cartouches. On réussira bien à faire quelque chose du Commonwealth. Alors, continuons à descendre. Yop les... Dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? T'as creusé de Good Neighbor jusqu'à... jusqu'à Diamond City? Pendant qu'on n'était pas là? Imaginez le truc. La dernière fois, il y avait des rataupes. Alors, Mel, tu t'es encore attiré des ennuis. Qu'est-ce que c'est les fonds jeux qu'il y avait. Il y a trop de gens de nos jours. Merci. What? Mais à part ça, c'est qui le nouveau? Oh, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. J'ai rien. Bon, tout le monde est là. Mel, tu veux bien faire les présentations? Oh, oui. J'aime. Voilà Sonia. Ce petit robot va nous aider à creuser la terre comme un râteau pacro au jet. Putain, je l'aime. Impressionnant. J'ai hâte de l'avoir à l'œuvre. Et moi, je suis impatient de vous montrer ça. Elle est unique en son genre. J'ai modifié son système radio pour qu'il émette des pulsations soniques à des fréquences capables d'ameublir les sédiments aux alentours. Ce que Mel veut dire, c'est qu'on atteindra la chambre forte 10 fois plus vite qu'en creusant nous-mêmes. Oui, j'avais et compris. C'est beaucoup moins dangereux que de tout faire péter à la dynamite. Bon, attention, je sais pas encore exactement ce que ça va donner. Alors, accrochez-vous. À toi de jouer, Sonia. Allez, vas-y, tape. Oh putain. Il obéit aux ordres et il sait se défendre. Que demander de plus? Et pour ne rien gâcher, il est plutôt mignon. On va peut-être éviter de brûler les ponts cette fois. Vous êtes très bizarre quand vous voulez quand même. Hein. La vie okay. D'un détective n'a rien de facile. Mais elle manque pas d'intensité. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Hop, on doit avoir quelques... J'ai fait avoir une fois, pas deux. Maintenant, fini de rire. Je crois qu'on n'est pas seul. Oh là. Je savais bien. Ok, bouffe. Le ménage est fait. Viande de fangeux. C'est pour ça que je les déteste. Non, pas de l'eau, mais qu'il est con. C'est la canette qu'il fallait prendre. Waouh, on se calme. Messieurs, dames, les radiations, on se calme. On a besoin de Sonia par ici. Pas de problème. Vas-y, Sonia. Il faut qu'on passe par ici, Mel. Ça marche. Sonia. D'accord, c'est moi qui choisis où elle creuse en fait. Ah, il y a la radio qui marche. Par contre, là, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Ah merde, comment je l'atteins? Par là, hop. C'est pas grave, je peux me prendre des radiations si c'est pour ça. What? Boum! Je suis là.
Et une armure. Salaud. Olé. Ok, il me fait vachement mal. Petit coup de soin, j'aurais peut-être dû utiliser le... Bien joué, Kanigou. Je crois que c'est Kanigou qui l'a tué et c'était bien joué. On va revenir en arrière pour voir si on peut ouvrir un autre chemin. T51. Je sais pas vous les amis, mais moi ça me suffit. Hop. On y va. Dommage. Ah, on va pas avoir de lampe torche par contre. Fait chier. Vraiment dommage. On va plus avoir de pétoche, ça c'est vraiment con. J'espère que je peux encore dire à Sonia où est-ce qu'elle doit faire ses trous. Enfin bon. On y va. Ah, je peux plus. Ah, attendez. Parce que si je peux plus, ça vaut pas la peine. Entrons alors. Ok. Nous n'embêterons plus personne maintenant. Il en reste plus. Si, si, il en reste. C'est juste trop con pour t'en rendre compte. C'était quoi ça? Mais va pas au cac! Maintenant, fini de rire! Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Viande de fangeux, je prends. Ça m'ennuie, j'y vois rien. Mur par ici, Mel. Compris. Sonia, au boulot. On dirait un tunnel okay. De métro. Alors on est sur la bonne voie. Elle est bonne celle-là. Hein? N'importe quoi. Continue en direction. On dirait un tunnel de métro, alors on est sur la bonne voie. Un endroit pour sortir. Elle est de bonne celle-là. Il y a des gens? Il y a forcément des gens, Abel. Je déteste ces saloperies. Elle était légendaire, mais je m'en suis pas rendu compte. Il y a une deuxième légendaire. Tiens, bouffe. Bah alors. On va encore se battre. C'est bête. J'ai commencé à devenir copain. Jambier droit de synthétique. Ok. Alors, la suite. Oh, des plateaux. Vous collectionnez les cochonneries maintenant? Et la cochonnerie est en merde. C'est sombre. Huh. Je vais faire les deux, c'est pas grave. Hunting. Intense. Secret. Ok, ça commence assez mal. Hop. However. Génial. Voilà.
J'ai eu les points d'XP. Hop. Mais alors, putain. Voilà. C'est bon. Tu te casses, s'il te plaît, merci. Vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Allô, tu bois son café. Hop, c'est la routine. No susai, man, no susai. Attention à l'espace entre le marchepied et le quai. Alors. Cassez-vous. Cassez-vous, vous dis-je. Ah, il y a un mur à casser là-bas. Alors. Ah merde, l'objectif. What the fuck? Bonjour. Boum. Reste de glace! C'est pas ce soir que vous vous couperez. Tu vas me le payer! Bah, tu tires sur tes congénères, c'est triste! Ça va être vite Un bail qu'on n'a pas bossé ensemble, Bobby, comment ça se fait? J'essaie de me faire discrète sur ce coup. Et je voulais pas te mouiller là-dedans tant que je pouvais faire autrement. On a pourtant connu bien pire. Mel, fragile. Amenez Sonia par ici. Sonia, tu sais ce que t'as à faire. Pourquoi c'est pas par là? Il faut qu'on passe par ici, Mel. Pas de problème. Vas-y, Sonia. Creuse. Niveau 32. Bah écoutez, allons-y. Ok. Et si on augmentait les dégâts au pistolet? Ou les munitions, ça dépend. Les dégâts au pistolet. T'as raison de te mettre pile devant moi. Yo. Oh non, ça va pas se passer comme ça. Hey, viens voilà. Tiens, bouffez ça. Crève, merde. Je crains pas les radiations. Hop. Mais vous deux, vous avez intérêt à faire gaffe dans ce coin. Son machin au poignet a un compteur GGR intégré. Je ferai gaffe au grésillement. C'est pas pour jouer les caves, mais... Sans fin. Wow. Pas besoin de recharger avec cette arme. Ça, ça peut être cool. Pip-Boy Robco, c'est une sacrée trouvaille. J'aimerais bien le regarder de plus près quand on aura 5 minutes. Ah bah écoute, tiens, regarde. Je savais qu'on allait creuser, mais j'imaginais pas qu'il faudrait se battre autant. Bon, par contre, je vais être full, voilà. Je m'en loot un petit peu. Ok. Ok. Mel, amenez Sonia par ici. Compris. Sonia, au boulot. Ah, c'est, vous savez comme c'est saoulant de pas pouvoir s'éclairer soi-même.
Franchement, c'est... C'est gonflant. Yo! What's up? Bonjour. Bonjour. Un robot. Bienvenue dans vos derniers instants. Des goules. Enfin, pas les normales, des goules sauvages. Bonjour. Bonjour. Oh, tu vas rester au sol, toi, je le sens. Voilà. Ça, c'était vraiment couillon. SVAV peinture. Aïe. Prends ça. Bien joué. Le ménage est fait. Bon, on progresse. Faut que je prenne un rad away parce que je m'en prends plein la gueule au niveau des rads. Hein. Je prends un petit coup de rad serre, ça me fait du bien. Je peux encore me déplacer, c'est cool. Pauvre petit père. Ils se sont fait défoncer. Par contre, j'y vois que Puik, les gars. Vous m'aidez pas. Regardez, on dirait que cet endroit était tenu par des Mr. Andy. On pourrait peut-être en réparer un et... Je crois qu'un seul robot, ça suffit, Mel. Dommage, ça aurait pas pris longtemps. Bah vas-y. Vas-y, je demande que ça, moi je veux voir mon Mr. Andy. Où tu es? Où tu es, mon pote? Répare-en un. Au revoir. Mel. Je savais qu'on allait creuser, mais j'imaginais pas qu'il faudrait se battre autant. Une histoire avec Webby, robot utile. Bon travail avec le robot. Ah, merde, c'est pas ce que je voulais. Merci. C'est pas facile de dégoter un iBot comme Sonia. Et elle a croisé mon chemin par hasard un jour en beuglant à tue-tête ses vieux messages d'urgence insupportables. Comme si le destin me l'avait envoyé. Oh, c'est mignon, je suis jaloux. Hein. Franchement, je te l'avoue, je suis jaloux, elle est superbe. J'en veux une pareille. Par oh, ici, mais. Tu peux venir me péter le mur, s'il te plaît? Merci. Ah bah, il était rentré dedans, celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh! Tellement sombre. Oh. Oh. Atelier de chimie. Canette. Ah, je peux pas fabriquer parce que je suis en... Ah, j'espère que c'est pas les réservoirs d'eau de Diamond City, ça se ferait pas. Pendant que vous bricolez, je vais lancer quelques diagnostics. Prenez votre temps. Je peux rien faire, c'est cool. On touche au but. Il y a une brasserie près de la chambre forte. Ça doit en être le sous-sol. Une brasserie, tu dis? Mel, non. Oh, ça va, je rigole. Bon, ça doit pas être là alors, ça doit être à côté, c'est ça? Alors... J'ai envie d'essayer une nouvelle arme qu'on n'a pas encore essayée. Hop, où est-ce qu'il est? Le voilà. C'était quoi? C'est quoi ça? Pas efficace. Essayons autre chose. Oh putain! Eh ben c'est pas mal! C'est bien, bien, bien plus efficace! Non, vous faites pas chier au niveau des radiations, s'il vous plaît. Oh, porte déverrouillée expert. Ça, je peux faire. Tout le monde aurait pu le faire. Joli. Lumière. Ça, je veux. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'aime bien. Hop. Continuons.
Génial. On va encore se battre. Attention, défends-je en maraude. Top! Aïe. Comment ça, vous avez mal? Bande de fillettes. Prenez un steam pack, faites comme tout le monde. On doit peut-être arrêter avec les armes. Voilà. Allez, on va appeler ça des armes de destruction massive. Hop. Apparemment, c'est pas par là. Oh merde. C'est par là que je m'attendais à être. Est-ce que je suis toujours dans le bon endroit? Eh non, c'est de là que je viens. Mais c'est nul. Je me suis planté quelque part. En tout cas, il semblerait. Juste pour voir, il fait combien le... Il fait 95. Et le pistogel il fait... Il en fait beaucoup moins, la gueule. Je me suis pas rendu compte pourtant. C'est quelque chose par là, non? On n'est pas un mur cassable, ça? Apparemment non. Ok, bah écoutez. Alors, ce serait par là? Ouais. Bobby. On se rapproche. Comptez sur moi. Je compte sur vous pour nous éviter. Ce serait aussi sympa de... De ne pas nous perdre dans ce cloque. Cloaque. Ce serait sympa de nous ouvrir aussi. En toute honnêteté, ce serait vraiment cool. Est-ce que c'est... Yo ? Mel. Je savais qu'on allait creuser, mais j'imaginais pas qu'il faudrait se battre autant. D'accord. Comment on ouvre cette porte ? Ah bah je suis con. Je suis complètement con en fait. Commande de la porte de sécurité. Ouvre la porte. Alors, remettons la sixième balle qui nous manque. Qui est là? Raté. Touché. L'avenir est touché de nous sous-estimer. Des goules. Enfin, pas les normales, des goules sauvages. Oh mais. Mais merde! Ils n'embêteront plus personne. C'est parti pour un tour. Ah, te voilà. Oh putain, luminescent. What? Elle a mis l'armure, genre l'air de rien. Tu veux bien crever? C'est quoi? Tu vas y laisser ta jambe gauche. Et sans transpirer une goutte. Voilà. Remarquez, je te remercie. Pas comme si c'était possible. C'est bien que t'aies mis l'armure. T'es utile au moins. Bien, bien, on va faire comme si on l'avait pas vu ça.
Ça vous branche, les antiquités? Ah, mais j'ai pas pris un... Ah, si, j'ai pris de la bouffe. La bouffe spéciale qui m'aide à porter plus de choses. Exact. Ça va être triste quand... On a besoin de Sonia par ici. Ça marche. Sonia. Vaut mieux que je prenne de la bouffe pour me soigner maintenant. Hop, un petit coup de Radaway, parfait. Ah merde, j'ai pris de la bouffe pour me soigner, non? Merde, y avait quelqu'un contre nous dans le coin? Boum! Recharge! Oui, il fait mal. Ok. Vous. Si Bobby nous a indiqué le bon chemin, ce dont je doute un peu, la chambre forte devrait se trouver après ça. Si vous reste quelque chose à faire dans ce tunnel, je vous conseille de vous en occuper maintenant. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Prête, Sonia? Soit... What? Chambre forte. Bonjour. Super, j'ai les chaussettes mouillées. Bon, on est juste en dessous de la chambre forte de Diamond City. T'es sûr qu'on est au bon endroit? J'ai fait une petite carte, et je crois que Diamond City se trouve un peu plus loin au nord d'ici. Ça ne fait aucun doute. Tu devrais avoir plus confiance en ton chef. La vérité. Où la vérité, Bobby? Où est-ce qu'on est? Sous la chambre forte de Diamond City. Et c'est la dernière fois que je le dis. Mais on doit toujours trouver le moyen de monter là-haut. Mel, tu crois que ton robot marchera ici? Regarde un peu autour de toi. Les fondations sont déjà dans un sale état. Une seule explosion devrait suffire à faire s'effondrer le plafond. Eh ben, à toi de jouer. Il faut pas qu'on reste dans la pièce. Les murs qui s'écroulent, c'est assez moyen. Bonne idée. D'accord. Tout le monde dégage. Sonia, prépare-toi à déclencher une explosion à puissance maximale. Putain, j'espère qu'on va pas faire péter Diamond City. Oh putain. Attends. J'aimerais te parler. Nick? Nick, non! C'est comme si c'était fait. C'est parti! J'aime pas le bruit que ça a fait. J'espère que Sonia n'a rien. Bien. Oh putain. Si on entrait dans cette chambre forte, hein? Oh non, 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 Sonia! Pas la peine d'en faire un. Sonia, peu. Non! De toute façon, on n'en a plus besoin. Mais... Avec le pactole qu'on va récupérer dans la chambre forte, tu pourras fabriquer un autre robot. Garde la tête sur les épaules. Fais gaffe. Bon alors, c'est où? Chambre forte. J'aime pas parce que ça porte le nom. C'est limite si, en fait, vous voyez, c'est limite si ça avait pas été marqué chambre forte entre guillemets, vous savez. Je m'attends à une connerie. Bobby, qu'est-ce que tu fais là? Merde. Tu pensais sérieusement pouvoir cacher ton petit plan à Hancock? Il t'a recueilli, Bobby. Et c'est comme ça que tu le remercies? Ne l'écoutez pas. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique ce qui se passe. Vous en faites pas. On est tout près du but. Je vois qu'elle a mis personne dans la confidence. Sympa, Bobby. Vous venez d'entrer par effraction dans la réserve de Hancock. Hancock, vous savez, le maire de Good Neighbor. Bon sang, Bobby. Écoutez, je sais que c'est pas ce qui était prévu. Tu meurs. Mais on peut quand même s'en mettre plein les poches. Aidez-moi à me débarrasser d'elle. Et on pourra tout rafler. Non. C'est Hancock qu'on cambriole, là. Il a tendance à avoir la rancune tenace. Ouais, voilà, puis il est classe. Je propose. Repartez par votre tunnel et on oubliera ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous en dites? Vous nous avez menti, Bobby.
et vous allez le regretter. Vous pouvez pas me faire ça. C'était pas censé se passer comme ça. Non, tant mieux en fait. Ça en fait plus pour moi. Oh, bon sang, je peux être génial. Hop. Il m'a piqué mon armure. Tiens, regarde ça. Dis-moi ce que si t'apprécies ou pas la chose. Tu vas me le payer. Tu me fais pas. Tu me diras, t'avais déjà pas de nez de base. Tiens, regarde. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Brûle. On ne me trahit pas sans raison. Dis-moi tout ce que vous pouvez pas porter. J'espère que tu m'auras compris. Je suis ravi de la façon dont ça s'est terminé. Bobby n'a pas volé. Bobby n'a eu que ce qu'elle méritait. Je sais pas. Elle méritait vraiment de mourir? Bon, ouais. Je m'en vais. Désolé d'avoir essayé. On me mène pas en bateau sous une quête. Capté? Yo. T'es stylé toi au moins. Vous avez fait le bon choix. Je sais. Bobby ne l'a pas volé. Bobby nous a menti. C'est tout ce qu'elle méritait. J'avais envie de me battre, mais j'imagine qu'on peut en rester là. Tenez, un petit cadeau pour avoir fait le bon choix. Oh ! Un petit cadeau. Votre loyauté ira droit au cœur de Hancock. Hancock a du style, pas elle. Et vous-même, croyez-moi. Il vaut mieux être dans les petits papiers de Hancock. Ah mais j'en ai rien à cirer d'Hancock à vrai dire. Il est stylé hein, mais j'aime pas qu'on me mène en bateau pendant toute une quête. J'espère qu'on m'a bien compris. Vous cherchez quelque chose? On est dans un monde sans foi ni loi. Si on fait pas confiance, si on commence à ne pas faire confiance, ça va mal se passer. Canigou. Hey, là. Par ici. N'aie pas peur. Hop, tiens, prends ça. Prends ça. Au niveau des armures de merde que je me tape, prends ça. Ah merde, j'ai donné une armure que je portais. Ok. Alors attendez, jambe droite, jambe gauche, plastron, bras gauche, bras droit, ouais c'est bien ça. Il manquait donc une armure, celle-ci. Ok. Non mais allô quoi. Il y a vraiment aucun respect. La fille, je la traîne jusque là et elle me trahit à la toute fin quoi. Alors qu'on lui a posé la question hein. On voit vraiment la lie de l'humanité. Ouais, ouais, lie de l'humanité, tout ce que tu veux, j'en ai rien à cirer là. C'était elle la lie de l'humanité. Y'a rien d'autre dans le coin? Ouais, parce que tant qu'à faire, si je peux le piller aussi, c'est pas grave. Sur le principe, c'était pas le piller qui me dérangeait, hein. C'est juste que. T'es sérieux, je suis coincé? T'es sérieux, je. Ah, c'est bon. Non, mais allô quoi? Ah non, 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 j'aime pas qu'on me foute, qu'on me traîne en bateau comme ça, qu'on me. Enfin, qu'on me. L'expression, je sais plus c'est quoi exactement. Qu'on me mente aussi longtemps. J'aime pas le mensonge de base. Alors. Et du coup, où est-ce qu'on est? Combien de kilomètres on a fait sous terre? Putain. Ok. Bon, il n'empêche qu'on a récupéré quelques armes assez sympathiques. Retour à Sanctuary. Alors, alors. Falloir qu'on teste l'arme en question, là, le fusil de chasse.
voir si c'est un chargeur illimité ou si c'est des balles illimitées. Si c'est un chargeur illimité, c'est tant mieux. Si c'est une balle illimitée, c'est moins bien. Hop, d'ailleurs, Kanigou, à ce sujet, hey. Tu me la rends. Tu sais quoi, tu me donnes tout sauf... Voilà, sauf ton bandana. Fabriqué. Carbonisateur, ça va être cool. Alors, fusil de chasse sans fin. Est-ce que j'en ai un autre comme ça d'ailleurs ? Ça ressemble pas à ça, donc non. Fusil de chasse. Alors, culasse standard. Et voilà. Canon long. Si je mets un canon court. Canon court léger. Hop. Et une crosse courte. Hop. Et que je veux l'essayer. Est-ce que c'est... Parce que si c'est une arme à un coup... Enfin, vous voyez le truc, quoi, c'est je... Ben voilà, là c'est inutile. Il y a trop de gens de nos jours. Certes, il fait très très mal. Solution à leur problème. Bon, c'est pas grave. Alors, mes armes. Carbonisateur, on le range. Laser alien, on va le ranger parce qu'il prend de la place et je trouve qu'il est pas si efficace que ce que je pensais. Toi et toi, je vais te... Je vais vous scrap. Regardez autour de nous pour voir où ça nous a mené. Hop. Parfait. On va essayer de se rendre là-bas. Fabriquer. Ok. Ça, je vais le garder. Ça, je vire. Ça, je vire. Ok. Est-ce que j'ai d'autres armures qui s'appellent... comment qu'elles s'appellent ? Alors, je mets ça déjà. Martyr. Hop, on descend. Martyr, j'en ai une ici. Ah merde, j'en ai peut-être supprimé d'autres, c'est dommage. Qui a gagné? Alors, je me fasse une armure entière avec le martyr. Personne, j'imagine. Au niveau de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des choses qui font plus mal ou pas? Là, je peux pas faire plus mal avec celui-là. Ouais, là, j'ai celle-là qui fait bien plus mal encore. Ok. Au niveau des armures, tiens qu'on peut... Bah non, je peux pas, ça va rien changer au final. Ok. Hop, d'accord. Pourquoi pas. Bon, 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 bon. On aura bien avancé avec cette quête quand même, hein. Oui. On a fait de la route, hein, littéralement. Au niveau de ça, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a plein de munitions de sulfateuses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Poussez-vous, poussez-vous. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme sulfateuse déjà? C'est ça qu'on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme sulfateuse de base? Hop, vas-y. Mes armes. Alors. Si je les trie par poids, normalement. Oui, je suis con, c'est par là que j'aurais dû trier. Arme. Poids. Junkjet, carbonisateur, minigun. El Diablo. Ouais, d'accord.
Si je prends le carbonisateur, il pèse combien? 30. Putain, il fait mal. Hein. Niveau poids, il fait mal. Hop, je prends le carbonisateur. Voilà. Alors, je vais en profiter quand même. Je vais faire un petit truc, chers amis. Hop, voilà. On pose tout ça. Fabriquer. Carbonisateur. Canon standard. Canon grande vitesse. Triple canon. On n'a pas ce qu'il faut pour le canon grande vitesse. On a ce qu'il faut pour le canon grande vitesse, mais pas pour le triple canon. D'accord, qui le rend médiocre au niveau. D'accord, bon bah alors pas utile du tout au niveau de l'armement et elle pèse un poids de conneries. Ça faudra qu'on s'en souvienne. Qu'est-ce qui fait que je pèse toujours aussi lourd? Ah oui, j'ai une chier de drogue, de machin de bidule. Le Commonwealth peut. Ok. Et bah vous savez quoi, on va aller rendre visite à. Notre cher Hancock dans le prochain épisode. On va profiter quand même de la fin de cet épisode pour aller vendre nos différentes drogues. Hop. Ça pourrait être sympa. Avec un peu de bol en plus. Hancock va peut-être nous fournir une maison, je pense, dans Good Neighbor. Ça peut être sympa. Alors. Salut Cléo. J'ai une arme pour chaque situation. Chasse, protection, meurtre de sang-froid, crime passionnel. J'en doute pas. Troqué. Voyons ce que vous avez. Meurtre et désolation pour toutes les bourses. Je te vends ça. Les neufs. Les six pommades, le porc haricot. Ah, j'ai pas tant de drogue que ça en fait. Hop. Alors qu'est-ce qui me prend autant de place? Pourquoi j'ai autant... Ouais, c'est pas faux. Blessure 1, divers peut-être là-dedans. Rien de bien méchant, bric-à-brac, rien, mod peut-être. Ah. Ouais, enfin bon, ça pèse pas non plus. Bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là devant la porte directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Playroom, dans faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.